Si tu t'abonnes, ça fait quoi, man? Ça fait quoi? Pardon, abonne-toi et active la cloche de notification, s'il te plaît. La famille, c'est comment vous allez? J'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo, hein. Vous connaissez le titre, on va parler de Safarel ou bien Serge Beno, Didier Arafat et Dave Ordo. Mais avant, j'ai une petite annonce à vous faire. Ok. Bon, comme je disais tout à l'heure, j'ai une petite annonce à vous faire. Voilà, en fait, je reçois des menaces de ce petit guénon-là, de ce petit guénon de ministre-là, de la Yorgan. Voilà, en tout cas, ce soir, je vais vous donner tous les détails avec sa note vocale à l'appui, s'il vous plaît. Voilà. Il ne sait pas à qui il a affaire, en fait, les amis. Il ne sait pas à qui il a affaire. S'il savait à qui il avait affaire, je pense qu'il allait se retenir de jouer dans ce genre de terrain glissant. Voilà. En tout cas, tu auras ta réponse publiquement aujourd'hui à 18h. Donc, les amis, restez branchés. Pour l'instant, on parle de Serge Beno, Safarel Obiang, Didier Arafat, de Bordeaux. Voilà, en fait, cette vidéo, je la fais à cause des commentaires, le point fini sous mes vidéos. Comme quoi, faire la promotion de Serge Beno, faire la promotion de Safarel Obiang. En fait, voilà ce que je veux dire. Pourquoi je vais vous parler de ces quatre artistes-là? Voilà. Moi, personnellement, comment je viens vous faire des vidéos là? Je vais pas vous faire des vidéos pour vous, ces personnes-là qui sont là, donner seulement des mauvais commentaires. Vous ne voyez pas les efforts des gens. Vous voyez que le mal chez les gens. C'est pas pour vous que je fais des vidéos là. C'est pour les personnes qui me soutiennent vraiment. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui me soutiennent réellement. Je porte une montre de 1800 dollars qui est au poignet. C'est quelqu'un qui me supporte vraiment. C'est pas un enfant. Voilà, c'est un monsieur et non donc des moines qui m'a fait ce cadeau-là. Donc c'est pas pour vous que je fais les vidéos. Voilà. Serge Beno, je n'ai aucun problème avec Serge Beno. J'apprécie Serge Beno. J'aime sa musique. Mais c'est son nouveau comportement qu'il a commencé à avoir ces derniers mois, ces dernières années-là. C'est ce qui m'a découragé de ce Serge Beno-là. Je vous explique. Quand je vous dis, je vais vous parler de ces quatre personnes, vous allez comprendre. Vous allez bien comprendre. En fait, je ne vais même pas commencer par lui. Je vais commencer par Didier Arafat de Bordeaux. Et puis là, il n'y a pas de durée. Est-ce que je vais dire là, c'est la vérité? Didier Arafat de Bordeaux, là, c'est des gars qui s'assument. Ils sont pleins de défauts, mais ils s'assument. Ils ne font pas semblant. Ils font pas. C'est-à-dire, ils font tout sauf semblant. Ils sont eux-mêmes, ils sont vrais. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits, hein. J'ai dit qu'ils sont vrais. Puis moi, j'aime ce genre de personnes-là. C'est ce que j'aime. Moi, j'adore ce genre de personnes-là. Tu m'as fait quelque chose et je t'ai dit ça en même temps. Il rit pas et toi. Et puis, je ne sais pas, aller te faire des coups pour te tuer ou bien te nuire devant. Je ne fais pas ça. Voilà, c'est pourquoi je supporte des Bordeaux Likoufa. Des Bordeaux Likoufa, quand il fait des bêtises ici, là, moi, là, il fait vidéo, il le clash. Même s'il est citoyen, il lui dit la vérité. C'est ce que vous devez comprendre, en fait. Vous êtes là, vous parlez pour ne rien dire. Pour ne rien dire. Même si tous les jours, je fais une vidéo, je vais dire, ah, spéciale bénédiction, je viens. Pour vous accorder beaucoup de grâces, beaucoup de bénédictions, que Dieu vous bénisse, vous allez forcément dire quelque chose, vous allez mettre les pouces noirs, tout ça là. Donc, c'est pas pour vous en fait. Voilà, donc, je supporte Desbordeaux et Didier Arafat aujourd'hui, c'est parce que, un, Desbordeaux est en réconciliation avec Didier Arafat. Sinon, Didier Arafat, au préalable, je ne le détestais pas. Voilà, c'est ce que je dois souligner en fait. C'est son comportement que je n'aimais pas. C'est-à-dire, par exemple, tolérer ces individus comme ce guénon de ministre qu'il a qui fait des vidéos, n'importe comment, qui a insulté pratiquement tout le monde autour de lui. Là, c'est pour ce genre de comportement que je n'aimais pas et puis je le blâmais. Dieu merci, il s'est calmé, il est tranquille, il est concentré sur sa carrière, sur son album. Le 29 décembre, on va casser une chose. Oh, l'Ivoire Golf Club, c'est ça que j'apprécie en fait, c'est bien en fait. Les Bordeaux, c'est un gars, il s'assume. Il est beaucoup impulsif parce qu'il ne s'est pas fait semblant en fait. C'est du tic-tac en fait. Tu as dit que je n'avais pas privé, tu dis en même temps, et puis ça, on avance. Mais il n'est pas rancunier comme d'autres. J'en viens. Vous comprenez un peu? Donc, comprenez ça une bonne fois pour toutes. Je ne suis pas un gars qui vient faire des vidéos pour vous faire plaisir ou bien pour vos beaux yeux. Non. Je vais vous expliquer un truc simple. Ce guénon de ministre-là qui est en train de m'envoyer des trucs, des menaces là. Il a tout vous expliquer avec sa note vocale et tout ça. Comme je suis venu sur YouTube, il avait plus de 7000 à 8000 abonnés d'avance sur moi. Mais aujourd'hui, c'est comme le jour et la nuit. On ne peut même pas se comparer. Or, il prenait ça pour se moquer de nous, les fans de Bordeaux. Comme quoi, on a cherché à avoir un peu d'abonnés avant de discuter avec lui. Oh, il ressemble à rien. Bref, je reviens encore sur Serge Beno. Vous dites quoi? Serge Beno, c'est un artiste que j'apprécie. Je vous dis ça aujourd'hui. Et avant de me prononcer, j'invite encore, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, toute la Chine, toute la Légion, tous les fans du coupé décalé, du côté de Paris, du côté de la France, à se déplacer massivement pour aller au concert de Serge Beno à Montmartre. On est d'accord? Comprenez ce que je suis en train de dire, hein? C'est du français que je suis en train de parler en fait. Je ne parle pas une autre langue pour dire que je suis en train de parler en charabia. J'invite toute la Chine, toute la Légion et tous les fans de la musique, chose hors même, coupé décalé, et même de la musique ivoirienne, à se déplacer massivement pour aller soutenir Serge Beno.
Maintenant, pourquoi je ne supporte pas ces jours? Je vais vous dire ça pour que ce soit clair dans vos têtes. Mes pauvres brin-brin, je prends pour souscrire mes passes, mais pour payer mon passe de Wi-Fi chaque mois. Ce n'est pas vous qui me donnez l'argent. Ce n'est pas Serge Beno qui me donne l'argent pour faire ça. Donc, je suis libre de faire des vidéos pour qui je veux, quand je veux et comme je veux. Il faut que ce soit clair. Je vous dis la vérité sans mal vous parler, sans même vous insulter. Il faut que ce soit clair. Quand je vois des commentaires comme quoi, il y a certains fans de Bordeaux aussi, je ne sais pas comment ils réfléchissent. Et la soirée de Bordeaux à Dubaï, là, elle sort la vidéo. Tu as envoyé quelqu'un pour qu'il m'envoie la vidéo là, et puis il n'est pas publié. Arrêtons, arrêtez de vous foutre des gens aussi. Hein. Apprenons à se respecter. On se comprend un peu? Voilà. Donc Serge Beno. Au début, Serge Beno, pourquoi Serge Beno a eu beaucoup de fans? C'est simplement parce que Serge Beno ne répondait pas au pic que lui envoyait Didi Arafat. Donc on s'est dit, ah, voici un artiste au moins qui est bien, qui est calme, qui concentre sa musique, malgré que son collègue, le Titi, le Clash, tout ça, il ne répond pas. Il s'est fait beaucoup de fans dans cette période-là. Et tout d'un coup, comme ça, on voit un nouveau visage. Pendant que tout le monde clame autour de lui réconciliation, lui, comme il est arrivé maintenant, il est dans sa gamme de gens, il a été trop attaqué, donc maintenant il est dans sa carte, il est juste seul, il fait son mouvement seul. Un gars qui vient pendant un direct, je ne sais pas si c'est un direct, il vous dit qu'il n'a pas besoin de soutien, il devait faire une vidéo pour le soutenir par rapport à quoi. Sinon, moi j'ai rien contre Serge Beno. Hein. Et moi je prends Dieu en témoin, c'est pas vous, parce que vous les hommes, vous êtes hypocrites, vous êtes égoïstes. Donc je vous prends en témoin, c'est Dieu que je prends en témoin. C'est Dieu qui connaît mon cœur, c'est lui qui peut voir l'intérieur de mon cœur. Mais seulement vis-à-vis de Serge Beno. Tu comprends un peu? Vous comprenez un peu? Excusez-moi, je comprends un peu quand je suis un individu. Donc arrêtez un peu. Réfléchissez un peu. Ne soyez pas limite dans vos têtes. Je n'ai rien contre Serge Beno. Mais je le sens très hypocrite et très égoïste. C'est pourquoi je ne fais pas de vidéos pour lui. Sinon, hier, il a fait une vidéo pour Kedivara. Moi, je suis fan des Bordeaux Likoufa. À la base, si je dois faire des vidéos pour quelqu'un, à part les sujets que je débat, c'est bien des Bordeaux Likoufa. Mais j'ai bien signifié, depuis que je suis sur YouTube, que ma chaîne n'est pas exclusivement des Bordeaux. C'est pourquoi je peux me permettre de parler de qui je veux et quand je veux. Il faut que ce soit clair dans vos têtes. J'espère qu'on est d'accord sur ça en fait. Mes premières vidéos, même sur YouTube, elles sont là. Je ne parlais pas des Bordeaux. Je faisais des tops. Je faisais beaucoup de choses. Donc arrêtez un peu, il faut que ce soit clair dans vos têtes. Vous parlez, mais Dieu bénit cette chaîne et puis on progresse. Et je suis sûr d'une chose, je suis capable d'atteindre les 100 000 abonnés avant fin 2019. Voilà, ça moi je suis sûr de ça et puis il sent ça venir même. C'est vous critiquez, vous critiquez le positif. Ça n'a aucun effet dessus les amis, donc arrêtez. Arrêtez. Donc moi... Si je ne supporte pas Serge Beno, c'est parce que je le sens très hypocrite, je le répète encore, très égoïste. Et puis il est en train de faire un truc qui ne me plaît pas. Il veut mélanger, il veut, pour ne pas dire, casser la carrière même d'un jeune artiste que j'apprécie énormément aussi, ça s'appelle Lobiang. Quand toi, Serge Beno, toute la terre entière, toute la Côte d'Ivoire, toute la diaspora savait que c'est chose. Oh, ça fait Lobiang qui devait prendre le premier don et puis ton donné là. Si toi, tu dois venir dire aujourd'hui que. Et c'est toi, ça fait le qui contrôle le coupé des canets là. Fallait lui donner ton prix là. Fallait lui donner ton prix là, mon ami. Quand il y a eu des votes, il y a eu des votes. Moi, Stéphane. Si je réfléchis comme Serge Beno là, comme je suis un gars très intègre là, j'ai petit, j'ai gagné. Hein. Mais prends la clé, prends la maison, c'est rien, il est à la maison. Voilà. Ça va te rendre deux fois plus grand. C'est ça fait le qui n'a pas fait essayer, qui va pas être intelligent pour penser que tu es très hypocrite. On est en concurrence, on est deux têtes de liste. Tout le monde dit que c'est moi qui ai gagné. On te donne aujourd'hui parce que j'ai fait un mouvement ici à Ben qui t'avait dit c'est lui qui contrôle le coupé décalé. Tu n'as même pas honte. Faut arrêter un peu. Tant qu'il ne changera pas ça, tout qu'on fait la base de mes vidéos, ça c'est clair. Mais je ne ferai aucune vidéo pour lui. Et puis s'il dira, il dit mes vérités. Voilà, c'est la liberté d'expression. Et puis il n'est pas peur de quelqu'un, mais ça dans votre tête. Ce que je vous dis souvent, vous ne connaissez pas bien les gens là. Apprenez à connaître les gens. Apprenez vraiment à connaître les gens. Hein. Les fous là. Ce n'est pas seulement ceux qui se promènent nus dans la rue. Voilà, il faut que ça arrête là. Ça va rentrer là, une bonne fois pour toutes. Il y a des gens qui sont débilement. Ils sont fous de chez fous même. Mais ils sont là, ils font l'effort de gérer ça, de canaliser ça. Donc ne provoquez pas les gens. Voilà. Donc toi, ça fait le bien aussi là. Il faut te ressaisir vite. Tout le monde t'applaudit aujourd'hui. C'est comme ça que tout le monde a applaudi hier, Franck DiCaprio. C'est comme ça que tout le monde a applaudi hier, DJ Lewis. Aujourd'hui, on les entend même plus. Il faut bien prendre l'exemple de Ariel Chiné. Reste dans ta gamme. Il ne faut pas te laisser blaguer.
Le succès, là, c'est Dieu qui donne. Et Dieu n'aime pas les gens hautains. Dieu n'aime pas ça. Je ne dis pas que tu es hautain. Mais si tu veux prendre en considération les paroles de Serge Bino, tu vas dérouter très grave. Non, c'est juste une mise en garde. Moi, j'ai fait beaucoup de vidéos ici pour te soutenir, pour ton conseil et tout ça. Mais il faut te ressaisir. Vous voyez, ta carrière est très, très jeune. C'est vrai qu'il y a longtemps que tu chantes, mais ton succès, là, il est très jeune. Il est très précoce même. Voilà. Donc, il faut que ce soit clair dans ton esprit. Il faut savoir choisir tes amis, tes alliés. Voilà. Il y a des gens, là, ça fait au moins 17 ans, on les persécute, mais ils sont toujours là. Il y a d'autres, là, ils ne font pas sortir son, mais ils tournent seulement. Ils tournent seulement. Ils ne font pas sortir son, hein. Ils ont peut-être deux ou trois sons, mais ils tournent seulement. Je parle de Débordeaux. Voilà. Donc, il faut te ressaisir. Tu as commencé à avoir un comportement que je ne comprends pas. Je ne veux pas juger, mais que je ne comprends pas. Mais ressaisis-toi. Donc, c'était ça, mon message du jour. Partagez la vidéo si elle vous a plu et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Merci. Et à 18h.